couper, coller. La voix se glisse entre les images pour donner à voir autre chose. Ce que les gestes du quotidien semblent nous cacher. Que cela dise autre chose pour que les mots deviennent inacceptables. Qu'avons-nous trouvé dans la voix? Des lettres, des journaux, un livre. À faire des ateliers photo-édition, enfin un atelier photo-édition avec des détenus à la maison d'arrêt de Guéret, et que les deux ensemble se sont mis à former ce projet, c'est-à-dire que je n'ai pas eu envie d'aller animer un atelier à la maison d'arrêt de Guéret. J'ai un peu du mal avec ce principe d'artistes qui vont animer des ateliers. Et puis je pense que c'est un peu compliqué d'aller divertir des détenus autour de l'art. Et j'avais pas non plus trop envie qu'on fasse un truc pratique. Mais par contre, comme c'est un environnement qui me questionne, et j'étais jamais allée en prison, je suis jamais allée en parloir ni rien, je me suis dit que c'était. C'était autour de ça que j'avais créé le projet, et autour de la privation de paysage. Donc, du coup, j'ai eu cette idée vraiment la veille du premier atelier. Jusqu'à ce jour-là, je ne savais pas encore exactement par quel angle j'allais faire un truc. En tout cas, je n'étais pas persuadée de l'intention avec laquelle j'y allais. En fait, je me disais, ah, il y a un truc qui ne va pas. Et j'ai eu cette espèce d'idée la veille en me disant que j'allais. À la base, faire une sorte d'introduction à l'auto-édition le premier jour, et surtout interroger les détenus sur des lieux, des récits de lieux et de territoires avec lesquels ils étaient familiers avant d'être emprisonnés. Et que ensuite, par la photographie, moi j'irais faire des promenades, des randonnées, et à la fois me mettre à leur place. Donc essayer d'expérimenter eux leur rapport au paysage par rapport à ce qu'ils ont pu me donner comme élément, et en même temps essayer de leur donner quelque chose en faisant ça un peu pour eux à leur place, en ramenant des images à partir desquelles on pourrait penser une édition. On faisait aussi un peu de portraits ensemble, j'ai ramené du matos de lumière, mais alors ça c'était quand même aussi histoire de dire qu'on faisait de la photographie. On était contraints dans une petite pièce de la salle d'activité. Et donc ça s'est construit comme ça pendant 3 mois où j'étais en Creuse, où j'avais pas encore fait trop le lien entre moi, ce que je faisais pour moi, et ce que je faisais pour eux. Et du coup, il y avait pas mal de déambulations du matin au soir dans ce territoire, avec à la fois des lieux qui m'intriguaient, à la fois plus une sorte d'errance, et en même temps aussi des endroits où j'allais vraiment parce que j'étais invitée par cette détenue à aller à tel et tel endroit. Et donc j'enregistrais les récits avec un enregistreur audio, et à chaque fois, après chaque session, je retranscrivais les moments qui me semblaient intéressants, mais pas juste des moments où ils parlaient de ces lieux, mais aussi les moments où ils parlaient de la prison, et de la privation de liberté. Et la fois suivante, donc, j'arrivais avec les photos que j'avais faites du lieu en question et les textes de retranscription, en gardant un peu l'oralité, parce que c'était important pour moi de... Voilà.
C'est juste. Non, mais c'est hyper chiant. Non, il faut un ciseau, quelque chose. C'est super bien. Voilà. C'est bien. Ouais. Ouais. Je suis bon, hein. Oh, bah, pas du tout les os. Ouais, c'est bien. C'est bon. Parfait. Oh. Puis on va filmer en bas parce que c'est un peu ouvert aussi. On va mettre un morceau de carton ou quelque chose. Ça, c'était dit que ça allait ensemble, Xavier, il me semble. Je sais pas.